Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien comme d'habitude. Alors, on continue dans notre série modée des modes de la 1.14.4. Et aujourd'hui, je vais vous présenter deux modes. Je suis sur une nouvelle map, parce que je voulais exprès faire ça dans une nouvelle map. La nouvelle map que j'ai fait au hasard, en fait, je vous donne le seed. Ce qui est intéressant en fait avec la nouvelle map, en fait, c'est juste je spawn quelque part par là. Donc vous avez les coordonnées, vous les voyez sous la minimap. Et juste après, au fait, donc le 136, 71, moins 176, hop, je la vire la minimap. Et juste après, au fait, le temps de juste, j'ai trouvé du fer très rapidement, j'ai trouvé du bois, bon, bien sûr, de la bouffe et tout, et voilà, j'ai trouvé assez rapidement, beaucoup de choses rapidement. Et entre autres, je suis en plastron en fer, et j'ai tué deux machins, ah, je vais y arriver. De zombies. Donc pour ça et juste là, pourquoi je vous montre ça, parce que je suis tombé sur un spawner à zombies certainement très vite, vraiment très vite. Hop, pardon, excusez-moi. Hop. Voilà, voilà. Donc le spawner à zombies. Donc si vous voulez, il est en plein air. Donc vous avez le SID, vous avez les coordonnées du spawner. Donc je vais vous redonner le truc. Il est juste à côté du spawn. En fait, vraiment juste à côté. Donc voilà, cette carte là, peut-être que je ferai un truc dessus, on verra. Et qu'est-ce que j'ai? Bon, apnée, de l'or, du fer, parce que j'ai les petits cœurs, ok, c'est parfait, c'est bien, je vais prendre. Et là, j'ai quoi? Ouh, une pomme en or, ça commence bien. Du fer, un grand cœur que je vais utiliser directement, bah, vous le savez à quoi ça sert. Ok, et une pomme en or, bon voilà, je prends tout, donc c'est parfait. Donc, mais c'est pas le but de ça en fait. Donc, ok, donc ça c'était juste quelque chose de rapide. Donc, voilà, donc je vais mettre tout ça à l'abri plus ou moins. Parce que ce genre de choses, c'est très important. Et on va commencer à parler de nos modes. Hop. Donc je suis en train de me laisser mourir là, donc tout simplement. C'est vrai que j'ai pris un cœur, j'aurais pas dû le prendre, mais bon, c'est pas grave, ça va aller vite. Je suis en train de me laisser mourir, ça me fera ma première mort. Donc j'ai cette mort spawn juste à côté. Et voilà, une fois que je suis mort, c'est bien, je vais ressusciter. Je suis juste à côté de toute façon, et je m'en trouve un truc avec un truc à la main. Le truc à la main, c'est quoi? Hop, il me dit tout simplement les infos. Je suis mort dans l'overworld, le nom, ok, et les coordonnées, où est-ce que je suis mort, donc ça c'est voilà, qu'est-ce que j'avais sur moi, donc j'avais une épée en fer, une épée en pierre, une pioche en pierre, du sable, une pioche, ainsi de suite, voilà, donc vous avez, donc ça c'est mes coordonnées, où est-ce que je suis mort, donc voilà. Si je pars très loin, on va dire façon de parler, je sais où est-ce que je suis mort. Donc, mais moi, je sais que je suis mort là. Donc, ok, oh, ça, c'était pas moi. Et on va trouver tout simplement ma tombe qui est là. Donc, il me dit que c'est Aimbadr qui est mort ici. Et comment on peut faire? Donc, je descends, hop, je casse tout. Et hop, et je récupère mon inventaire. Je vais éviter de mourir une deuxième fois. Et je récupère mon inventaire tout simplement. Donc c'est un mode qui peut un peu cheater, je reconnais, parce que voilà, on n'a pas peur de mourir, on peut mourir autant de fois qu'on veut, plus ou moins. On sait que le stuff ne disponera jamais. Donc ça, c'est ça peut être un avantage, comme ça peut être un inconvénient aussi. Donc voilà, donc là, j'aurais besoin de bouffe, vous avez vu, j'ai un peu de bouffe, mais sans plus. Hop, viens ici toi, viens ici la vache. Merci, merci. Donc c'est un mode qui s'appelle tout simplement Gravestone Mode. Gravestone, c'est pierre gravée, en fait, c'est une pierre tombale, en fait. Donc voilà.
Mais mot à mot, c'est gravestone, c'est pierre gravée, donc c'est une pierre tombale donc qui nous permet d'avoir ça, et hop, et on a à quel endroit on est mort, donc c'est sympa. Au multijoueur, je ne sais pas si on peut se donner ce truc-là. Est-ce que je peux le jeter? Oui, je peux le jeter, donc voilà. Hop, je peux le jeter. Donc, est-ce que si je meurs plusieurs fois, est-ce qu'il me donnera une deuxième fois? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que. Voilà. Donc, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Moi, je trouve que ça, c'est super intéressant. Bon, là, je continue un tout petit peu. En fait, je suis en train de me prendre la tête. Je suis en train de le faire en mode survie. Parce que je suis descendu pratiquement en dessous de mon lit. Et j'ai commencé à farm. J'ai trouvé rapidement, pratiquement de suite, des diams. Et je suis en train de farm de l'obsidienne pour faire un portail du nether. Parce que j'ai besoin juste d'un truc du nether pour continuer mon aventure. Et en même temps, bon, ben, je crois que j'ai assez de quoi faire une table d'enchant. Donc j'ai eu 5 diamants pile. Donc ça me va. Bon, on va faire un saut dans le nether. Juste pour vous montrer hop, le nether, comment il est au fait. Et je ne sais pas ce que ça donne. Donc, je vous ai donné le site, je crois. Oui, je vous ai donné. Au pire, quand je sors, je vous le redonne. Et donc, je disais, j'y vais juste tout simplement. Bah, j'arrête de faire suspense. Juste pour avoir du quartz, au fait. Il me faut officiellement qu'un seul, mais bon, je vais en prendre 3 ou 4. Donc je vais pas aller très loin. Donc je suis pas là pour les forteresses, je suis là pour rien de particulier. Je suis là juste pour le quartz. C'est quand tu veux le chargement. Allez, ok, merci. À chaque fois quand je lui fais peur, hop, de faire une pause, il se calme tout de suite. Donc voilà, le quartz c'est juste à côté. Hop, oula, ça la gouille, ça la gouille, ça la gouille. C'est normal, le chargement, le premier chargement, vous savez ce que c'est. Ok, donc hop, je prends. Je suis venu pour lui, je prends. Et je jette juste un coup d'œil comme ça de loin, donc sans plus. Si ça vous intéresse, vous saurez où, s'il y a quelque chose, bien sûr. Bah, a priori, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a pas grand-chose là. Ah, de vue comme ça, rapidement, non, il n'y a pas grand-chose. Ok. Je vais faire quelques blocs et s'il y a quelque chose, je vous le montre. Si vous voulez faire la map ou pas. Parce que moi, bon, je me le garde quand même. Je vais juste mettre un hop, portail. On sait jamais. Pour ne pas me paumer. Ok, désactiver, confirmer. Terminé. Juste un truc bizarre, je ne sais pas ce qui me fait ça. Mais quand je mine le quartz, il me donne pas d'XP. Pourtant, il me semble pas que ça fait partie de 1.14, ça. Le quartz, il donne toujours d'XP. Mais là, à mon avis, je dois avoir un mode qui me bloque l'XP du quartz. C'est un peu étonnant, oui. Parce que je pensais qu'à un certain moment, j'allais prendre des XP, au fait, un peu d'XP dans le nether. Parce que j'avais pas tout fait, mais mon stuff en fer rapide que j'ai fait. Mais en gros, là, j'ai fait 330 blocs et j'ai rien en fait. Donc vraiment, j'ai rien. J'ai peut-être pas pris la bonne direction, tant pis. Donc voilà. Mais oui, c'est bizarre. Et le Nether, il est bien calme. Donc c'est vrai que d'habitude, on a toujours au moins des pygmées et tout. Et pourtant. Je suis en facile, donc oui, non, normal. Donc, il est le bol. Bon, j'ai pas à me plaindre. Voilà, j'ai pas au Malégaste. Donc, c'est bizarre. Vraiment, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, ouais. Donc, tant pis, j'ai pas d'XP, tant pis. Donc, c'était pas le but pour avoir d'XP ici, mais bon. Donc, ok, bon, bah, je vous retrouve à la base. Alors, à la base, on reprend notre partie. J'ai mis à cuire de la stone parce que j'en avais besoin. Donc, et on va faire cuire. Hop, on va faire cuire, pardon. On va préparer un comparateur.
Il va nous faire un comparateur, il va nous falloir des pépites d'or et une Hudson, normalement. Oui, normalement. Ok, on rate le suspense. On fait appel à notre. Hop, pardon, excusez-moi. Non, mais je crois de tête, je me rappelle, le craft n'est pas très dur. Vraiment, le craft n'est pas très dur. Le craft, il se craft normalement comme ça. Et c'est bon, on a le. La sonde, l'objet de notre mode en fait, le mode qui s'appelle One Probe, The One Probe. Donc on a le fameux téléphone. Donc bon, je pensais en crafter au moins deux ou trois, voire plus, mais on verra. Donc il n'y a pas de souci, je vais en crafter un deuxième tout de suite. Il va manquer juste hop, juste ça. Donc maintenant, est-ce qu'il est apparu dans mes trucs? Non, non, bah non, il n'est pas apparu du tout. Ok, je vais en prendre en compte. Allez, j'en aurais besoin d'un seul pour l'instant tout de suite, mais l'autre, on verra. Donc, notre fameux téléphone. Notre fameux téléphone, en fait, c'est une sonde. Elle sert à quoi? Elle sert, entre autres, à la mettre sur le casque. Donc on peut la mettre sur le casque et on a un casque avec la sonde. Et d'ailleurs ça a réparé le casque parce qu'il était un peu abîmé au fait. Et le casque garde les priorités, donc c'est-à-dire les points d'armure, il est toujours à deux normalement. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc on a ou le casque ou la sonde qui ressemble un peu à un téléphone en fait. Donc, pardon. Ça fait quoi la sonde et le casque sonde. Donc on peut faire les deux. Les casques, on peut faire d'un casque en diamant, un casque en fer et un casque en or. Les trois types en cuir, je ne pense pas. Donc ça sert à quoi? Donc où vous tenez, pardon, excusez-moi, la sonde, votre main, même à la main gauche, ça fonctionne. Donc vous avez remarqué que j'ai un menu en plus qui s'appelle, voilà, un peu comme notre voilà en fait. Mais là, il me dit entre autres avec quel outil je peux le faire. Est-ce que là, la main nue, je peux pas taper le four par exemple? Il me dit non, il faut une pickaxe, ça veut dire une pioche. Là, notre tool, donc je peux le faire avec la main. Là, il va me dire non, c'est une pickaxe. Là, il va me dire carrément, c'est une pickaxe level obsidienne. C'est que c'est du diamant, on le sait, donc là, il n'y a pas. Là, il me dit no tool, on peut l'avoir. Voilà, donc le bois, par exemple, l'unax. Sinon, on peut le faire à la main aussi. Donc, il y a plein d'informations qui sont très intéressantes. Mais la particularité, en fait, c'est que quand on enlève le téléphone, bon, j'enlève le téléphone, la sonde, pour moi, c'est un téléphone, et je mets plutôt le casque, parce que voilà, c'est plus pratique. Si on se met sur un four et on sneak, là, ils nous disent ce qu'on est en train de faire. Vous me direz que le Vela, il le fait aussi. Mais là, ok, sur le four vide, oui, là, il le fait pas. Sur le four vide, le vide qui s'allume pas, il me dit qu'il me reste un charbon et j'ai trop 36 lingots de fer. Donc voilà. Et aussi, sur le coffre, quand je sneak aussi, j'ai le contenu du coffre. Donc ça m'évite à chaque fois de l'ouvrir, ainsi de suite. Bon, j'ai un livre enchante, je ne sais pas ce qu'il y enchante, mais moi, je sais que c'est de l'apnée. Donc bref, il vous donne plein, plein d'informations utiles et agréable, je dirais. Non, mais c'est pas agréable. Donc on a réussi plus ou moins à trouver un remplaçant à notre autre mode qui est le Vela. Donc on va le remplacer, il est fort possible qu'on va le remplacer par ce mode-là qui s'appelle One Probe quoi. Donc bon, l'inconvénient c'est que il n'est pas configurable. Dans le menu, j'ai pas trouvé au fait dans le contrôle. J'ai rien trouvé en fait, j'ai vraiment rien trouvé. J'ai inventeur, non, mode créatif, multijoueur, diverse. Inventeur story, oui, là, donc il est là. La map est just noted, donc je ne l'ai pas, donc il ne se configure pas. Donc peut-être qu'il se configurera plus tard, comme je vous ai dit, avec les problèmes ou les soucis qu'on a, parce qu'on anticipe beaucoup sur la 1.14.4. Juste un petit rappel. Les modes, c'est pas évident à trouver. Maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais il n'y a pas des trucs assez intéressants, assez accrocheurs, on va dire, pour que je puisse vous les présenter, pour que les mettre tous dans la même map, en fait, on va dire.
les compiler pour faire une grande aventure modée, en fait, c'est pas évident. Donc, il y a des petits mods qui font un peu de tout et de rien, voilà. Donc, il y en a un peu partout, il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de datapacks, en fait, aussi, mais bon, je vous ai un peu trop mis, on va dire. Là, pendant pratiquement deux séries, j'ai deux épisodes, pardon. J'ai fait que ça en fait. Donc là, je voulais passer à des points jar en fait, à des modes qu'on télécharge, qu'on met directement dans le répertoire mode pour le faire. Et donc là, bon, il se pourrait qu'on a trouvé un bon compromis, on va dire. Et aussi, il faut savoir aussi que ce mode-là, en fait, qui est OneProb, est compatible avec d'autres modes. C'est-à-dire, il va se plugger directement au jeu. Et il va vous dire ce que vous pouvez éventuellement, il va vous donner des informations complémentaires. Officiellement, c'est ce qu'il fait en fait. Donc voilà, mob zombie. Donc là, je skin. Bon voilà. Donc il nous dit même que c'est des fois de loin on peut pas voir, mais là il nous dit que c'est du zombie en fait. Donc voilà, pour le casser, c'est une hache et c'est de toute façon pour le casser, on peut le casser n'importe comment. Donc voilà. Donc il est pratique, vraiment il est pratique. Donc et pareil, il fait aussi les liquides. Les liquides, j'ai pas trouvé vraiment les liquides. De l'eau directement, bon, je vois pas l'intérêt, mais bon. Ok, bon, ouais, Sauvel, mais je vois pas trop quoi. Donc dans l'eau, vraiment je vois pas trop. Mais liquides, il faut voir les liquides, les autres liquides au fait. Non. Non, il faut voir les autres liquides au fait. Si vous faites d'autres modes, parce qu'il y a des modes genre FTB et compagnie qui est peut-être compatible ce genre de mode. Bon, bah écoutez, voilà les deux modes d'aujourd'hui. C'était un peu rapide. Je vais juste refaire un saut dans les airs en fait. Et ils étaient un peu rapides, certes, mais bon, ça nous a permis de faire une nouvelle map. Oups, pardon. Ça nous a permis de faire une nouvelle map. Coucou les pigments, tout à l'heure vous avez bugué. Ça nous a permis de faire une nouvelle map au fait. Et voilà, que je vous ai donné le seed. Est-ce qu'on peut donner le seed dans le nether? Oui, on peut. Donc, c'est bien pratique. Et je serais curieux si vous avez une idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, où je le ferai tranquillement petit à petit. Qu'est-ce qui a fait que mon quartz il me donne plus de niveau? Donc, ça me semble bizarre. Et pourtant, on a un 14-4, j'ai déjà fait des parties. Et le quartz, il donne de l'expérience, quoi. Ça me semble bizarre. Bref, en cas d'hallucinée. Sauf si je me trompe complètement, le quartz, il donne pas de niveau, il donne pas d'expérience dans le 1-14-4. Et alors que j'ai déjà fait quoi, donc je suis pas fou. Sauf si j'ai vraiment pas fait attention quoi. Mais écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Hein, j'entends un gast. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous allez liker, que vous allez le faire partager. Ça me fera vraiment plaisir. Quelques petits commentaires sympathiques, comme vous savez faire, bien sûr. Ça sera toujours le bienvenu et ce sera toujours super agréable pour moi en fait. Et je vous dis au prochain épisode et merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner, c'est toujours pas fait. Je vous dis à bientôt. Tchou 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 tchou.